Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur les limites parce que je vais vous parler des limites qu'on fait avec le nombre dérivé. C'est une technique qui marche très peu souvent, c'est-à-dire que vraiment il faut que ça soit fait pour et hein, au bac on va dire que ça tombe quasiment jamais. Ça sert à démontrer certaines formules, hein, notamment celles que j'ai mis en bas en bonus, tangente x sur x, ça peut faire sinus x sur x, exponentielle x moins 1 sur x, voilà, toutes ces petites formules hein, qu'on ne pourrait pas démontrer autrement. Hein. Et ça sert aussi parfois à faire des petits cas particuliers comme les trois que je vous ai trouvés ici. Alors, je vous rappelle la technique. Cette technique, elle utilise ce qu'on appelle le nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est la limite quand elle existe, hein, de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Voilà. Et cette limite, ça donne le nombre dérivé en a de la fonction f. Évidemment, il faut que la fonction f soit dérivable en a. Donc à chaque fois, déjà, le cas de figure, ça sera, vous avez un quotient avec... Eh bien, en haut, la limite c'est 0 et en bas, la limite c'est 0. Vous allez voir dans les 4 exemples que je vous ai mis, la limite c'est toujours 0 sur 0, ainsi que dans les deux bonus. Et donc, la seule difficulté, vous allez voir là, c'est finalement facile parce que je vous dis hein, ici que c'est fait avec le nombre dérivé, c'est de trouver la fonction x. Alors, premier cas tout de suite. Alors, regardons cette première limite. On a x puissance 2007 moins 1 sur x moins 1. Alors, on va poser eh bien, f de x égale x puissance 2007. En 1, cette fonction, elle vaut bien ici 1 puissance 2007, donc ça vaut bien 1. Ce qui fait qu'en haut, vous avez effectivement f de x moins f de 1, et en bas, on a bien x moins 1. Donc, on a exactement le bon taux de variation ici entre x et 1. Et comme la fonction f est dérivable, et sa dérivée d'ailleurs c'est facile, c'est 2007x puissance 2006. Ça veut dire que eh bien, cette expression, elle va tendre, hein, quand x tend vers 1, elle va tendre vers f' de 1. Et f' de 1, c'est donc 2007 multiplié par 1 puissance 2006, donc c'est 2007. Voilà, ça veut dire que cette limite, et c'est 2007, vous voyez. Donc c'est pas si difficile que ça. Deuxième limite. Alors la deuxième, c'est un grand classique, cos x moins 1 sur x en 0. Alors déjà, dans notre méthode, on va poser petit a égale 0. Donc ça veut dire qu'en haut, on a f de x moins f de a. Donc ça veut dire qu'on va poser f de x égale cosinus x. Et on va vérifier si f de 0 vaut bien. F de 0, c'est cosinus 0, ça fait effectivement 1. Donc, eh bien cos x moins 1 sur x, c'est bien f de x moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? La fonction f, elle est dérivable. La dérivée de cosinus, vous savez, c'est moins sinus x. Donc, eh bien, ce taux de variation, quand x tend vers 0, il va tendre tout simplement vers f' de 0, c'est-à-dire moins sinus 0, donc moins 0, c'est-à-dire 0. Voilà. La limite ici de cette fonction en 0, c'est 0. On continue. Alors ici, fonction un petit peu plus difficile, qu'on fait habituellement autrement, avec ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Je vous montrerai si vous voulez. Donc ici, on a x moins 5 dessous, donc ça veut dire que petit a, c'est certainement 5. Donc on va poser f de x égale racine de 4 plus x, et on va regarder ce qui se passe quand x égale 5. F de 5, ça donne racine de 4 plus 5, 9, ça donne 3. Ça tombe bien. Donc, racine de 4 plus x moins 3 sur x moins 5 est bien égal à f de x moins f de 3 sur x moins 5. Pas f de 3 ici, plutôt f de 5. Voilà. Or, cette fonction f, elle est dérivable. C'est une fonction sous la forme racine de u. Donc la dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, ça donne 1 en haut sur 2 racines de 4 plus x. Et vous avez donc eh bien, le résultat qui dit que cette expression, qui est un taux de variation entre x et 5, eh bien, quand x tend vers 5, ça va tendre vers f' de 5, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de 4 plus 5, 9, et donc 1 sur 6. Alors je vous l'ai promis, une deuxième démonstration. Alors cette expression ici, on peut la travailler un petit peu pour lever l'indétermination, parce qu'on a 0 sur 0, eh bien on va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée, un petit peu à la méthode des complexes. Ici, je vais multiplier en haut et en bas. Alors,
le x moins 5 ne bouge pas, mais par racine de 4 plus x plus 3. Racine de 4 plus x plus 3. Alors, en bas, pas de problème, on aura x moins 5 fois racine de 4 plus x plus 3. Et en haut, par contre, identité remarquable, a moins b fois plus b, on aura donc racine de 4 plus x au carré, donc 4 plus x moins 3 au carré, moins 9. Et on obtient en haut x moins 5, miracle. Et en bas, on a déjà un x moins 5, donc il va y avoir une simplification par x moins 5. Il restera donc 1 sur racine de 4 plus x plus 3. Et là, on va faire tendre x vers 5. Il n'y a plus aucun problème. Ça fait 1 sur un nombre non nul, donc l'indétermination est levée. Il restera 1 sur, donc racine de 9, 3 plus 3, 1 sixième. Donc on retrouve notre résultat. Voilà, alors en terminale, on fait évidemment plutôt cette méthode-là, qui s'appelle la méthode de l'expression conjuguée. Mais ça reste quand même des calculs difficiles qu'on ne fait pas souvent. Alors à noter que le inférieur à 5 ou supérieur à 5 n'a pas d'importance ici. Des deux côtés, vous trouverez 1 sixième, il n'y a pas de souci. Quatrième limite. Voilà, une limite qui peut se faire aussi d'une autre méthode que je vous ferai, parce que quand même, c'est bon de savoir. Ici, alors le supérieur à 2, c'est pareil, il ne va pas servir. Je l'ai laissé, mais des deux côtés, ça sera la même chose. Alors avec cette méthode, alors déjà, petit a vaut 2. Donc, on va regarder ce qui se passe en haut. On va garder le moins 2, comme ça. Et on va poser f de x égale x carré moins x. Alors ça ne s'invente pas. Là, c'est vraiment parce que j'ai mis ça dans cette vidéo qu'on a l'idée de le faire. Et aussi parce qu'on a en haut 0 sur 0. C'est-à-dire qu'on a une forme intermédiaire du type 0 sur 0, donc ça peut faire penser à cette idée-là. On regarde ici ce qui se passe pour f de 2. F de 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Donc ça marche à merveille. X carré moins x moins 2 sur x moins 2, c'est f de x moins f de 2 sur x moins 2. Et donc, eh bien, f est dérivable, sa dérivée c'est 2x moins 1. Ça veut dire que ceci est un taux de variation qui, eh bien, quand x tend vers 2, va se rapprocher de f' de 2. F' de 2, vous voyez, ça fait 2 fois 2, 4 moins 1. Ça fait donc 3. Voilà. Alors, je vous propose une deuxième méthode qui marche là très bien quand on a des fractions, des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des polynômes. Ici, en bas, ça fait 0, donc on n'y touche pas. Mais par contre, en haut, x carré moins x moins 2 s'annule en 2. Et comme ça s'annule en 2, eh bien, ça veut dire que 2 est racine. Quelle est cette deuxième autre racine? Donc si ça s'annule en 2, ça se factorise par x moins 2. Donc la deuxième racine, vous voyez, c'est x ici égale moins 1. Vous pouvez développer. Sinon, vous faites un delta qui vous donnera 2 et moins 1 comme racine. Donc, une fois que vous avez compris cette factorisation, eh bien, quand vous divisez par x moins 2, eh bien, les x moins 2 se simplifient. Il vous reste tout simplement x plus 1. Et quand x tend vers 2, ça tend vers 3. Vous voyez, on retrouve ce résultat. Donc ça, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, parce que c'est une méthode qui marche très bien quand on a des polynômes avec 0 en haut et 0 en bas. Encore une fois, ce ne sont pas vraiment des exercices type bac, ça peut, mais ça reste vraiment déjà sur des exercices quand même costauds. Maintenant, nos deux bonus. Alors, ce sont des formules à connaître. Ici, tangente x sur x. Alors, je vais poser f de x égale tangente x, exactement la manière de sinus x sur x qui tend vers 1, tangente x ici, f de 0, c'est tangente 0, tangente 0, ça fait 0, donc tangente x sur x, eh bien c'est tout simplement tangente x moins tangente 0 sur x moins 0. Et donc ça va tendre vers, quand x tend vers 0, vers la dérivée de tangente. Alors la dérivée de tangente, il faut la connaître. Alors il y a plusieurs façons de la faire. Première façon, tangente, on sait que c'est sinus x sur cosinus x, et ça c'est la méthode qu'on utilisera. Alors ça c'est pas f', ça c'est f, donc il faut que je dérive ceci. Alors, c'est pas très bien noté, mais voilà. Donc c'est u sur v, ça donne donc u'. Alors là on va essayer d'aller vite parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais u', donc c'est la dérivée de sinus, c'est donc cosinus, fois v cosinus, moins u', v moins uv', donc moins sinus x, fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus, donc là ça va faire plus, ici sinus x, voilà, sur
cosinus x au carré. Et en haut, vous avez cos carré plus sinus carré qui vaut 1. Donc, il reste 1 sur cosinus x au carré. Ça, c'est à connaître hein, quand même. Et donc, ici, on va regarder ce que ça donne en 0. Ça fera 1 sur cos 0 au carré. Et cos 0, ça vaut 1. Donc, il reste 1. Voilà. Autre façon de le faire. Eh bien, ça donne tangente x, vous savez que c'est sinus x sur cosinus x, ici divisé par x, ça c'est tangente x sur x. Ça nous donne donc sinus x sur x multiplié par cosinus x. Alors là je m'adresse vraiment à des élèves qui maîtrisent un petit peu tout ça. Eh bien, donc la première partie, c'est connu, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. La deuxième, c'est cos x quand x tend vers 0, ça tend vers 1, donc le produit tend vers 1, pas de problème. Dernière chose, l'exponentielle. Alors ceux qui ont déjà fait l'exponentielle, hein, vous allez pouvoir comprendre, pour les autres, vous verrez ça plus tard. Alors, exponentielle, donc je vais prendre f de x égale e de x. On sait que ça, hein, en 0, ça donne exponentielle 0, donc ça donne 1. Effectivement, e de x moins 1 sur x, c'est un taux de variation. C'est e de x moins e de 0. Sur x moins 0. Or, exponentielle est dérivable, sa dérivée c'est elle-même. Donc, ce taux de variation a pour limite quand x tend vers 0, hein, f' hein, de 0, c'est-à-dire exponentielle 0, donc 1. Donc la limite ici, c'est tout simplement 1. Voilà. Donc, vidéo, je pense, assez intéressante pour ceux qui s'intéressent aux maths, qui veulent aller un petit peu plus loin. Hein. Et ces nombres dérivés, c'est quand même des démonstrations assez sympathiques et assez jolies. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.